Alors que l'inquiétude est de plus en plus grande autour de l'état de santé de Pelé, l'ancien joueur de football est sorti du silence samedi 3 décembre 2022. Hospitalisé à Sao Paulo depuis mardi 29 novembre 2022, il a déclaré qu'il se sentait fort et plein d'espoir alors qu'il s'abat contre un cancer du côlon. Je veux rassurer tout le monde. Je suis fort, et plein d'espoir et je continue mon traitement comme toujours, a-t-il déclaré dans un message publié sur Instagram en légende de son rapport médical qui indique que l'ancien attaquant est dans un état stable. Je crois fort en Dieu et tous les messages d'amour que vous m'avez envoyés du monde entier m'apportent énormément d'énergie. Tout comme regarder le Brésil à la Coupe du Monde. Une telle déclaration sera-t-elle suffisante alors que les Brésiliens sont inquiets depuis qu'il a été annoncé que l'ancien joueur avait été placé dans l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, où il avait été admis en début de semaine pour traiter une infection respiratoire. Celui qui a remporté à 3 reprises la Coupe du Monde, en 1958, 1962 et 1970 ne répondrait plus à son traitement contre le cancer. Ce qui veut dire qu'il n'est plus soumis à des traitements lourds mais uniquement des mesures de confort pour soulager ses douleurs ou essoufflements. Une pratique courante lorsqu'on est en fin de vie, rapportent nos confrères Le Parisien. Kylian Mbappé a apporté son soutien à Pelé devant l'inquiétude. Kylian Mbappé, qui est en pleine Coupe du Monde au Qatar, a tenu à apporter un message de soutien à celui qui est considéré comme le roi du football au Brésil mais également dans le monde entier. Pray for the King, priez pour le roi, a-t-il écrit sur son compte Twitter. La Coupe du Monde au Qatar s'est aussi mobilisée, notamment avec un spectacle de drones dans le ciel de Doha, formant le maillot numéro 10 brésilien, iconique de Pelé. Des photos de lui ont également illuminé les tours de la ville. Ces dernières années, l'état de santé de Pelé revient régulièrement sur le devant de la scène. En 2021, sa fille avait dû sortir du silence pour démentir des informations circulant sur une potentielle rechute de l'état de santé de son père, lorsque les fans s'étaient émus d'apprendre une fausse nouvelle. La dernière mise au point de Pelé est venue s'ajouter au communiqué médical publié samedi aux alentours de 21h, heure française. Il indique que le triple champion du monde a été admis pour une réévaluation de la chimiothérapie contre la tumeur du côlon, identifié en septembre 2021. Il suit toujours un traitement et son état de santé reste stable. Il a également eu une bonne réponse aux soins des infections respiratoires, sans aggravation de l'état au cours des dernières 24 heures.